Loki. Ça a commencé en 2014 et après un voyage aux États-Unis, on a décidé finalement de faire découvrir cette boisson aux Français. En fait, je suis tombé complètement amoureux du kombucha parce que j'ai été convaincu par les bienfaits du produit. C'est-à-dire que pour moi, c'est une boisson qui est vraiment très peu sucrée et qui permet véritablement de maintenir son système digestif en bonne santé. Loki, on l'a vraiment créé avec l'envie d'entreprendre le changement qu'on veut voir demain dans le monde. Donc on l'a créé dès le début avec des idées bien spécifiques d'énergie renouvelable, de choix d'approvisionnement responsable. Donc on est certifié bio à 100%, on est aussi sur des matières premières équitables pour tout ce qui vient de loin. On peut aussi bénéficier de la production locale dans le Vaucluse pour aller se procurer de la spiruline ou de l'amande poivrée ou de la carotte. On s'approvisionne en énergie 100% renouvelable. On composte la totalité de nos déchets aussi issus de la production. On mutualise aussi le transport dès que possible sur les livraisons de marchandises et on est en train de mettre en place une dynamique de gouvernance participative au sein de l'équipe et on sera 7 en 2019. Nous, on s'est implanté dans le Vaucluse qui nous a accueillis les bras ouverts et donc on a pu, grâce à Vaucluse Provence Attractivité, trouver un local sur Avignon à la pépinière Creativa. Un an après l'installation, on a eu besoin de déménager puisqu'il fallait trouver plus grand. Et là, VPA nous a de nouveau aidés. En même temps que l'installation sur le mine de Cavaillon, VPA nous a conseillé de postuler à un programme d'entreprise responsable. Au vu de nos bonnes pratiques, c'était tout à fait cohérent. Et donc, grâce à ça, nous avons aussi réussi à financer notre nouvelle ligne d'embouteillage. Sans VPA, ça aurait été beaucoup plus difficile de rencontrer les bonnes personnes. Et VPA a permis à Loki de s'implanter dans le tissu économique du Vaucluse, nous a permis de rencontrer les acteurs principaux, de nous faire connaître, de nous accompagner et de nous mettre sur les bonnes rails.